Aujourd'hui, on est ici au Palais des Expos. Je vous encourage à me suivre. Je vous montre un peu ce qu'on a, non pas ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, mais le décor dans lequel on a tourné, qui a été totalement reconstitué par l'équipe déco. Une équipe déco hors pair. Voilà. Ici, on est dans le Café des Couillus. Donc on est à Couillus les deux églises, dans le Café des Couillus. Il y a tout le monde qui s'anime, comme vous pouvez le constater. Toute la déco est en train de préparer le tournage qui va commencer dans à peu près 10 minutes. Enfin, la continuité, parce que là, on a déjà tourné toute la matinée. Je vous fais la présentation. Ça, ce sont les électros. Hein. Ici, on a un gars qui est en train de travailler, là. Il s'appelle Jérôme. Jérôme ? Merci. Là, je suis prêt à faire une dernière patine pour que la porte ait l'air un peu plus vieille. Comme ça, ça passe mieux à la caméra, ça a l'air un peu plus ancien. Voilà. Alors là, je suis occupé à salir les murs. C'est-à-dire que d'abord, on demande de faire des beaux murs tout propres. Et après, on a malheureusement à les salir, le rendre un peu plus crédible. Donner l'impression que des gens ont vécu. En général, les interrupteurs sont plus sales parce que les gens viennent mettre leurs doigts. Les coins de porte aussi, parce que les gens s'appuient quand ils font le virage, des trucs dans le genre. Tous des petits détails comme ça qui rendent. Il est en train de saloper tout le café qu'ils ont construit en propre il y a environ 2-3 jours. Alors, Alain Delbar, excellent, la première assist réal. Tu lui pètes la gueule, Jacques. Silence. Action. Le barbu que vous voyez, c'est Manin, c'est lui qui rend, enfin c'est l'accessoiriste. Bon, là je vous l'ai déjà présenté, ça, c'est un monsieur hors pair. Il a 3 maisons de production, il y en a une aux États-Unis, une en Belgique et une au Portugal. Il a travaillé sur énormément de productions étrangères. Suivez-moi, Harold. Ça c'est Harold. C'est son anniversaire aussi, Julien. C'est ton anniversaire aujourd'hui, Julien? Mais non, c'était l'autre Julien, voilà. On y va, on va voir. Julien, j'ai oublié ton prénom, chaque fois je lui dis c'est Julien, c'est ça? C'est Julien, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Yes. Tu vois, je me suis pas trompé. Mon anniversaire aujourd'hui. Il y a du monde, hein. Voilà, ils sont en train de travailler, c'est encore la déco qui travaille là-bas. On a David Corazza, c'est le grand castard là-bas, qui travaille comme un fou avec nous depuis un moment. Carlos Hiroshi, le dernier arrivé dans l'équipe, mais qui bosse comme un malade. Voilà, ici, c'est un petit coin déco aujourd'hui, parce qu'en fait, la déco aujourd'hui est fort à l'honneur. Ah, voilà, Jean-François Mabir, dont je vous parlais tout à l'heure. Il arrive, il se cache, l'enfoiré. Il est là-bas. Antonin, le chef électro. Voilà, on présente toute l'équipe, tu vois. Corinne Binon. Corinne Binon, c'est la script, non, c'est pas l'emmerdeuse de service, c'est la script qui travaille avec moi sur la Réal, quoi. On travaille, on est très proche, voilà. On est au Palais des Expos, hein, ici, pour l'instant. En fait, on a la chance que Bernard Pays nous prête le Palais des Expos pendant tout un moment, jusqu'au 2 septembre. Sans ça, je pense qu'on aurait eu très difficile à faire ce film. C'est ici qu'on a reconstitué à peu près 7 décors, dont le Café des Couillus. Et prochainement, on vous montrera la maison de Marby, puisque la maison de Marby est à l'intérieur. Et le reconstituer aussi ici en intérieur.